Georgie. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre maltais, vous pensez avoir répondu aux accusations de corruption pesant sur votre entourage en convoquant des élections anticipées dans votre pays. Mais une réélection ne permet pas d'écarter le soupçon. Seule une enquête sérieuse de l'autorité de poursuite le peut. Vous engagez-vous ici à garantir des véritables enquêtes policières indépendantes? De la même manière, se cacher derrière l'appartenance à l'UE pour réfuter le fait que Malte puisse être un paradis fiscal n'est pas une réponse sérieuse. Comment qualifier alors un pays qui fait perdre chaque année 2 milliards d'euros de recettes fiscales aux autres États membres d'après les révélations de Malta Files? Tant que les États membres ne seront pas pris en compte dans la liste noire européenne des paradis fiscaux, non, Monsieur Muscat, faire partie de l'Union européenne ne suffirait pas à écarter la qualification de paradis fiscal. Il est temps que nos gouvernements prennent conscience des dégâts causés par ces pratiques fiscales. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, ne semble pas non plus en avoir pris la mesure, puisqu'il a considéré tout à fait légal le fait que Renault et PSA éludent 119 millions d'euros d'impôts en installant des filiales à Malte. Non, ce que certains appellent d'optimisation fiscale est en réalité d'élévation fiscale par abus de prix de transfert et donc frauduleux. Gracias.